À tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner l'ISO d'installation Arch Anywhere. C'est une ISO d'installation un peu à l'image de la Architect Linux. Ça permet d'installer rapidement un système Arch Linux. Donc là, je vous montre en gros le site officiel que je mettrai dans le descriptif. Peut-être que cette vidéo sera liée à un article, je n'en sais rien pour le moment. Si c'est le cas, il y aura un lien dans le descriptif. Donc en gros, voilà. J'ai récupéré la dernière version en date qui est la 2.1.5, date du 13 mai, on est le 14 mai, quand j'enregistre la vidéo. Voilà. Même s'il n'y a pas beaucoup de seed, je le laisse en seed. Donc là, j'ai créé une machine virtuelle Arch Linux classique. Donc je vais installer dedans Mate. Je vais garder au maximum les options par défaut. Je rajouterai LibreOffice, je rajouterai Firefox et peut-être d'autres logiciels supplémentaires. Mais cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment ça fonctionne et voir ce que ça donne. Donc en gros, ça va peut-être durer une petite vingtaine de minutes à une demi-heure. Préparez café, gâteau ou un petit thé. On est parti. Donc on lance l'ensemble. C'est vrai, il y a de plus en plus d'outils qui veulent installer facilement un Arch Linux. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer avec Arch Anywhere. On va voir le résultat. Donc voilà, l'ensemble. Par contre, attention, le clavier est en anglais, donc il faut penser... Voilà, donc je lance directement l'installation. Et après, on va passer en français, même si c'est du franglais par moment. Oui, bien sûr. La preuve du franglais. Donc, on va utiliser directement la bonne traduction. Le fuseau horaire. J'appuie directement sur la touche concernant l'initiale, donc ça fait gagner du temps. Et on prend un clavier français. Donc, comme je l'ai dit, je conserve par défaut les options. J'aurais pu mettre un volume chiffré, mais je vais garder l'auto-partitionnement du disque. Donc, OK. Extended 4. Oui, je vais créer une partage de 4 Go. On peut modifier à volonté, mais j'ai l'habitude de mettre 1 giga, on peut mettre moins, mais minimum 512. Non. Voilà, donc le résumé. Oui, pardon, c'est un peu en franglais, donc... Ah oui, pour le déplacement, c'est soit les touches gauche et droite du clavier, soit touche tabulation. Donc là, rien à signaler. Bon, tant qu'on est, on va mettre à jour ça. On va prendre... les dépôts francophones. Récupérage, bien sûr. Dommage. Ça sera la traduction en fait un peu à l'arrache. Donc il y a plusieurs options. Arch Linux classique avec base Devel ou Arch Linux LTS. Je conseille toujours de prendre base Devel. Et si on veut un noyau sécurisé, on peut rajouter Arch Linux GRSec. Donc je vais prendre le classique avec base Devel. On installe GRUB, bien sûr. Je n'ai pas besoin des outils Wi-Fi, donc je réponds non. OS Prober, quand c'est un monoboot, je dis non. Bien sûr, si on veut installer en dual boot, mieux vaut qu'on appuie sur oui. Là, il nous donne l'estimation. Donc là, il faut espérer que la connexion tienne bien. Et si on a une bonne connexion, ça aide un peu. Ouais, en ce moment, ma connexion a tendance un peu à yoyoter de la crinière. Ça lui arrive par période. Je ne comprends pas pourquoi. Donc en gros, avec une connexion VDSL2 classique, en gros qui fait dans les 30 mégabits secondes, il y a pour 2 minutes pour installer ensemble, enfin récupérer ensemble et installer. Donc c'est ça qui est bien, ça donne déjà une estimation du temps. Après bien sûr, ça peut très bien être plus long comme plus rapide. Il n'y a pas dire grand chose là. Il faut attendre, désolé.
C'est vrai que c'est moins effrayant que des lignes de commande avec des progressions d'installation. Le mieux, ce serait bien sûr une installation en mode graphique comme avec Calamares ou encore Windows 10, enfin depuis Windows 7, peut-on dire. Peut-être même Vista, enfin je ne sais plus. Bon, tout fonctionne pour le moment. Non, je n'ai pas envie d'utiliser le multilib. On va activer des HCP, même si après je rajoute Network Manager. Donc je donne un nom pour la machine à utiliser, le mot de passe pour route. Voilà. On va créer un nouvel utilisateur. Et le mot de passe. C'est dommage, apparemment, que ce soit un peu en franglais. Bon, c'est pas grave, hein. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. Comme ça, je pourrais utiliser sudo pacman-s. Oui, je veux utiliser un environnement de bureau. Alors là, on n'a plus que l'embarras du choix. Un XFCE modifié, Cinnamon, Gnome, bon, ben, vous voyez très bien. Là, je continue la liste pour montrer tout ce qui est disponible. Je vais prendre Maté. Oui, je veux les extras. Là, comme il a détecté qu'on était dans une machine VirtualBox, il installe les modules invités. Non, comme je n'ai pas de portable. Oui, c'est mieux comme ça, au moins. Et là, il nous donne l'estimation. Donc, en gros, 4 minutes pour l'installation. Donc, en gros, ça fera. Il est 2h de l'après-midi, donc 2h04 de l'après-midi. Normalement, ça sera installé. Sauf si la ligne décide de me faire une crasse. Saleté.
Bon, ça avance. Il n'y a pas grand chose à dire. On est obligé d'attendre que ça avance. Ça peut être décidé. Bon, il n'y a pas grand chose, donc ça n'influe pas à autre mesure. Il n'y a pas à dire, il y a beaucoup d'interactions. Beaucoup de lignes de commandes à frapper. Ou pas. En tout cas, le disque gratte. Voilà, bon, là, IDM est installé. Oui, tant qu'on y est, on va compléter la Logitech. Donc là, on voit qu'on peut tranquillement compléter la Logitech, que ce soit en audio, jeu, outil graphique, internet, multimédia, bureautique, office si vous préférez, terminal, éditeur de texte, shells en fait, c'est une ligne de commande, et utilisateur système. Donc on va voir ce qu'on peut rajouter. Bon, ben, je vais rajouter plus audio. Je vais mettre Audacious, tout n'est qu'il n'y a pas Quodlibet. Voilà. Donc il nous annonce que c'est 12 mégas qui vont être installés. Dans les jeux, oula, on a Alien Arena, Basic Flag, Chess, Super Tux. Bon, il n'y a pas grand chose qui me soit intéressant pour le moment. Oui, je ne veux rien installer. Outils graphiques, Blender, Drafterable, on va mettre GIMP. Et Image Magic, ça peut toujours servir. Et à chaque fois, il précise la taille qui sera récupérée. Alors, outils Internet, Chromium, non merci. On va mettre FileZilla, Firefox. On va mettre Transmission. Voilà. Oh, on va rajouter Thunderbird, allez, on va être gentil. Ah oui, quand même, là, il est passé à 82 mégas de plus. Oula, ça fait beaucoup. Alors, outils multimédia. On va mettre VLC pour les vidéos. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours les outils les plus fréquemment utilisés qui sont proposés, apparemment. Alors, bureautique. Bon, on va prendre la version... Évolution, enfin la version 5.1 de LibreOffice, la version dite Évolution, aka Fresh, alias Fresh pour Arch Linux. Donc là par contre, ça va faire quand même pas mal monter, 123 mégas pour un seul paquet. Oula, ça fait mal. Alors, terminal, non, il n'y a rien à rajouter. Il y a déjà le terminal de Maté, non, je ne veux rien rajouter. Shells, non, je ne veux rien rajouter non plus. Outils système. On va rajouter que j'ai parti pour voir où en est le partitionnement et compagnie. VirtualBox, c'est pas la peine. Donc c'est bon, déjà on aura quelques outils de base. Ok. 3 mégas de plus. Oula, que c'est lourd. Et on passe sur terminer pour l'installation. Donc il nous dit qu'il y en a à peu près pour 300 mégas, temps estimé 4 minutes. On est go.
Et là, on voit que ça récupère quand même assez rapidement l'ensemble. Tout cas, c'est agréable, mis à part le franglais, c'est quand même agréable. Donc on va voir si c'est toujours la même chose. Oui, donc c'est la même chose. Donc là on va redémarrer l'ensemble et voir la gueule du résultat. En gros, l'installation a dû durer un gros quart d'heure. Maintenant on va s'attaquer aux finitions. Ça va démarrer assez vite. Donc on va passer en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Donc là on a le clavier en français, très bien. On va vérifier que le clavier français est conservé dans Mate ou pas. Bon, déjà il y a un bug, les icônes n'apparaissent pas sur le fond d'écran. Donc on va vérifier déjà le clavier et après on verra si en se déconnectant et se reconnectant ça fait apparaître les icônes en fond d'écran. Voilà, préférence. Matériel, clavier. Agencement, oui d'accord, il est en anglais. Saleté, va. Alors, français, France, ajouter. Là, on enlève notre clavier. Donc, on va déjà voir ce que ça donne au niveau. Pourquoi il me lance Audacious? Oh, la sale bête! Il y a Audacious qui a pris le dessus sur Cara. Bon, on va virer Audacious. Sale bête. Sudo pacman.rcs Audacious. Donc un petit conseil, n'installez pas Audacious. Installez-le en post-mortem, enfin en post-install. Parce que sinon, il prend le dessus sur Kara pour ouvrir le répertoire. Ça, c'est casse-bonbon. Alors, on va voir tout de suite maintenant si Kara a repris le dessus. Voilà. Ah, superbe, déjà on a le répertoire utilisateur en français. Donc j'essaie de voir en me déconnectant et en me reconnectant si les icônes apparaissent sur le fond d'écran.
Ah, très bien, oui, bon, c'est un problème par rapport à VirtualBox. Ça, c'est une modification qui a été introduite récemment. Donc, ok, bureautique, ça c'est vraiment Mate GTK2, ça se voit, blablabla, ok, GIMP. On verra après pour les logiciels, Cara. Alors, on va voir au niveau du partitionnement, comment il a fait. D'accord, mais je m'en doutais un peu. Partition boot uniquement de 100 mégas alors qu'il y a déjà 44 mégas de manger, ça fait un peu short. Il aurait pu mettre 250 mégas, ça aurait été mieux. Donc le swap de 4 gigas et le reste, la partition route. Ok. Donc on va voir côté noyau. Donc c'est un numéro 445. Côté ressources, 250 mégas mangés au démarrage, c'est énorme! Donc, on va voir. Par contre, un petit défaut, c'est que c'est illisible. Donc, on va modifier ça. On va passer en. Ça sera peut-être plus lisible comme ça. Ah oui, c'est quand même mieux. Donc, là, on va faire sudo pacman-syu. SYU, pardon. Ok. Donc on va voir ce que donne par exemple LibreOffice pour voir si c'est directement traduit ou s'il faut traduire à la mimine. Et oui, je m'en doutais, il faut le traduire à la mimine. Donc on va faire sudo pacman-s LibreOffice fresh fr. Et normalement au démarrage suivant. Ça va quand même mieux. Voilà. Donc c'est LibreOffice 5.1. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc je sens la même chose arriver. Je vais voir Pacman-SS Firefox et 18NFR. Il n'est pas installé. Ok. Allez, on va pas s'ennuyer. Hein. On va faire la même chose pour Thunderbird. On n'est jamais trop prudent. Dommage que les traductions ne sont pas installées. Ça aurait été mieux. Donc normalement maintenant, on a Firefox en français. C'est quand même mieux. Firefox 45, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apparemment, il n'y a pas le support de l'impression. Non, il n'y est pas apparemment. Donc on va rajouter CUPS. C'est le Pacman-S CUPS. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'option de rajouter l'impression. Même si les imprimantes sont de moins en moins répandues, c'est toujours pratique de les avoir. Système config printer. Dommage parce que Architect Linux permet d'installer directement le support de l'imprimante. Alors sudo systemctl enable org.cups.cupsd. Et on fait un start. Et normalement, si on va dans Firefox, normalement, on doit avoir CUPS disponible. Voilà, c'est beau. C'est un petit point quand même qui est dommageable, c'est que Arch Anywhere ne propose pas directement l'installation de CUPS. Ça aurait été mieux. Donc déjà très bon pour les temps français. Mis à part le clavier, mais ça c'est pas bien grave. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir? Bombay GIMP, bien sûr. Donc mis à part ça, l'ensemble est assez utilisable. Hein. Donc je vais vous montrer pour finir comment installer proprement, selon bien sûr les canons Arch Linuxiens Yaourt, pour gérer plus facilement son Arch Linux.
Voilà, donc pour installer proprement, voilà, installation. Alors, voilà, c'est ça que je voulais. On peut passer bien sûr par des ports ArchLinuxFR, mais il est beaucoup mieux de faire ça. Donc, je vais vous montrer comment on installe proprement. Par contre, il faut git. Donc, on va faire sudo pacman-s git. Voilà. Et maintenant, je vais m'amuser à copier-coller les lignes de commande. Enfin, du moins, les deux lignes de récupération. Parce que c'est un peu long et j'ai la flemme. Voilà. Alors, cd package query. Make package moins ici. Voilà. Et on fait la même chose pour yaourt. Donc on fait juste ça. Et voilà. Donc on peut fermer ça. Et maintenant, donc on peut aussi virer ces deux-là. Et si on va dans yaourt, enfin dans le terminal, T, si on fait yaourt-syua, syua, et on voit quels sont les paquets, bien sûr. Voilà. Et on va faire une petite stat pour finir. Donc il y a 622 paquets installés. Pas grand-chose au final. Donc, quand je finisse ça, et après je vais installer, je vais terminer mon installation. Donc, il y a 862 paquets, méga de paquets en cache. Donc, je vais installer Quadlibet. Ah, mais je vais voir aussi, tant que je pense, le support de. Voir ce que donne le support de. Musical, tiens. Il n'y a pas GSTDBAV déjà, donc si on veut le support HTML5, il faut rajouter GSTDBAV. Sinon, ça risque de pas le faire. Est-ce qu'il est installé? Oui. Bad, il faut qu'il est installé. Et Ugly. Est déjà installé. Donc on va voir ce que donne le support HTML5 pour finir. Quoique je crois me souvenir depuis Firefox 42, 43 ou 44, je ne sais plus lequel, c'est FFmpeg qui est utilisé pour le support HTML5. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si c'est toujours GStreamer qui est installé. Ah non. Non, ça utilise donc c'est déjà GStreamer, donc ça utilise le support FFmpeg. Donc comme d'habitude, on va faire le test habituel. Désolé pour la palissade. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a du son? Et bien sûr, je me suis encore gouré au niveau du pilote classique. Enfin, déjà, l'ensemble fonctionne, mais je me suis encore gouré au niveau du support du son. Ça m'énerve! Bon, on va voir ça tout de suite. Ce mixeur, bien sûr, il n'est pas installé. Dommage qu'il manque quelques paquets.
Ah d'accord, c'était le niveau du master qui était à 0. Alors, ASUDO SSDL Storm. Donc, on va voir maintenant si ça fonctionne. Donc, finalement, le ArchNewer est pas mal. Il y a quelques petits trucs à combler, mais ça permet déjà de bien dégrossir l'ensemble. Donc, on va prendre un autre. Non, c'est au niveau, j'ai fait une erreur au niveau de la création de la machine virtuelle. Autant pour moi. Bon, ça fonctionne toujours, il n'y a pas le son, mais dommage. Voilà, bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a montré comment fonctionne le ArchAnywhere. C'est un outil qui est pas mal, mais il y a quelques petits quelques petits trucs à combler. Ça permet quand même de se dégrossir pas mal. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Au revoir.